Cette photo d'une cérémonie de remise des diplômes est extraordinaire parce qu'on y voit des femmes afghanes recevant leurs diplômes alors qu'il n'y a même pas 10 ans, elles ne pouvaient pas fréquenter l'école. Voici le Centre communautaire canado-afghan qui est situé dans la ville de Kandahar. Depuis 2007, environ 1 000 000 de femmes afghanes y ont suivi des cours d'anglais ou des formations sur la gestion des affaires, les technologies de l'information et les soins de santé. Le 2 novembre 2009, plus de 120 femmes afghanes venues de tous les coins de la province ont obtenu un diplôme au terme de formations données au Centre communautaire canado-afghan. 10 d'entre elles ont achevé avec succès un nouveau programme de gestion des affaires offert en ligne par le Southern Alberta Institute of Technology, l'un des principaux partenaires canadiens du centre. En Afghanistan, les taux de scolarisation et d'alphabétisation sont parmi les plus faibles au monde. Plus de 80% des femmes afghanes ne savent ni lire ni écrire. Les formations offertes par des organismes comme le Centre communautaire canado-afghan donnent aux personnes qui les suivent les connaissances techniques nécessaires à l'exercice d'un métier et à la recherche d'un emploi. La possibilité d'acquérir de nouvelles compétences utiles en milieu de travail est particulièrement appréciée des femmes afghanes qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas accès à l'école et, de ce fait, n'avaient d'autre choix que de vivre dans la pauvreté. Les responsables du Centre communautaire canado-afghan estiment que leurs diplômés qui se trouvent un emploi apportent, en moyenne, un soutien financier à 6 de leurs proches. Dans une région du monde où les possibilités d'emploi sont limitées, particulièrement pour les femmes, ces formations aident les femmes et leurs familles à s'extirper de la pauvreté. Non seulement sont-elles alors capables de faire vivre leur famille, mais elles contribuent également au développement de leur collectivité et au dynamisme de l'économie locale. Partout dans le monde, des institutions comme la Banque mondiale ont montré que les progrès enregistrés dans les pays en développement au chapitre de l'égalité entre les sexes s'accompagnaient d'un recul de la pauvreté et d'une accélération de la croissance économique. L'aide apportée aux femmes pour élargir les possibilités qui s'offrent à elles et pour leur donner une meilleure qualité de vie est au cœur du programme de développement du gouvernement du Canada. Cette aide leur offre de l'espoir et des solutions réelles pour un avenir meilleur. Les femmes peuvent contribuer à faire avancer l'Afghanistan sur la voie d'une paix durable et de la prospérité pour tous. Un reportage de Karine Landry avec l'équipe provinciale de reconstruction à Kandahar.